Victoire qui est rentrée donc hier de Monaco après avoir passé pendant 48 heures toute une batterie d'examens poussés. Et il en est ressorti que ces examens n'ont rien montré, ont tous été, je sais pas si on dit positif ou négatif, mais les examens qui ont été faits ont montré que Victor était apte et opérationnel à jouer dès demain. Il a tout simplement été victime d'un malaise vagal. Après, il faut toujours chercher les raisons du malaise vagal. Donc, je suis pas docteur, mais on peut avoir quelques explications sur le fait que Victor se mettait une énorme pression depuis un certain moment sur le fait de pouvoir marquer à l'extérieur. Et que quelques minutes avant son but, il avait eu une très belle situation, très favorable. Et que il a dû sûrement s'énerver. Et qu'une fois qu'il a marqué, il y a eu quelque part une excitation, un soulagement qui a engendré ce malaise vagal. Bien évidemment qu'il fallait prendre beaucoup de précautions sur le fait de faire tout un bilan. Et il y a eu un bilan très poussé sur les 48 heures. Et aujourd'hui, nous avons le feu vert pour qu'il puisse jouer. Et il souhaite jouer.